à Belleville chez Samir. Pour l'instant, on est en train de passer les petites montagnes, les petites collines, juste avant d'arriver chez lui. On a dû. J'évite ce bled. On va éviter l'antenne aussi, regarde. Ouais, je la vois. Vire à gauche. Ah non, mais attends, j'ai pas envie de leur rouler sur la tronche, je suis le. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'on est content. Parce qu'on a bien galéré, on a dû s'arrêter 4 heures ou 5 heures. À Montargis. Je m'appelle Quentin, je suis de Montargis, on connaît tous. Ouais. Et du coup, là, on avait un petit peu peur de ce relief. On pensait qu'il était accroché, mais finalement, comme vous pouvez voir, je ne sais pas si on voit, mais c'est vraiment très joli. Hop là. Donc il y a encore des petites barbules qui traînent un peu partout. Ah, c'est le mot de la journée, je l'ai entendu trois fois aujourd'hui. C'est le mot de la journée, barbule. Oui, barbule. Et là-haut. Hop. Ah, peut-être tu peux voir sur ta droite, regarde ça. Hop, sur ma droite, il y a une petite maison. Là. Tranquille. Un petit chalet. Voilà, donc là, on est en zone rouge en termes de relief, de terrain, comme ils disent. Et puis voilà, dans la plaine, là, tout droit, on va se retrouver dans. 5 minutes. Dans 5 minutes, on va se retrouver. J'ai pas besoin forcément là, du coup, de contacter l'UINFO, donc je vais mettre directement sur la fréquence 123.5 pour voir si on atteint du monde. Alors. Voilà, donc là, c'est vraiment très joli. Je sais pas si on se rend compte du relief, mais ça fait du bien de voir un peu de relief. 23.5, on va écouter. On va bien voir. Alors, le tour de piste là-bas. Il est à 1400 pieds si on est en avion. Et puis 1050, attention, hein, pas 1100 ni 1000, hein, c'est 1050 quoi. En tour ULM. Voilà. Ouais, donc voilà, petit relief toujours, beau. Petite colline. Petite colline à droite devant. Et là, on est à 3 minutes de chez Samir. Ouais, on va ouvrir l'œil parce qu'on sait qu'il est en vol. Je vais appeler, je vais dire. Voilà, donc on se retrouve vendredi en direct de chez Samir. On fera des petits sujets chez lui. Et voilà, on espère vous retrouver tous. Ah bah voilà, il y a du vent arrière 34. 34, donc on va se poser un 34 et c'est parti, on va compter à côté. Belleville de Fox Whisky Novembre, bonjour. Belleville de Fox Juliette Victor Whisky Novembre, ULM 3 axes, 2 personnes à bord en provenance de Montargis du nord-nord-ouest à destination de vos installations. On est actuellement à 2400 pieds, on est là dans. Nobody gonna take my car, I'm gonna race it to the ground. Nobody gonna take my car, I'm gonna race it to the ground. Nobody gonna take my car, I'm gonna race it to the ground. Bonsoir Laura! Bonsoir Christophe! Alors nous sommes pour notre premier direct en dehors de notre hangar 32. Nous ne sommes pas pour ce soir, nous ne sommes pas au hangar 32. Nous sommes à l'aérodrome de Pizet. Côte Voici, je te refais. Lima Fox Hotel Whisky. Ouais, c'est ça, il fait bien le mec qui cherche. Voilà. Alors Lima Fox Hotel Whisky, donc nous sommes à l'aérodrome de Pizet. Yes. Donc dans le Beaujolais, on est dans le Beaujolais. Et il est 21h, on est ravis d'être là. Et pour une émission très spéciale, parce que c'est notre première émission en dehors de. On sort de notre zone de confort. On sort de notre zone de confort, comme on peut dire. Tout voilà. À fait. Comment dire, muscu. Et on a un programme assez chargé, parce que malgré tout, on a des invités, on a des sujets à lancer, donc on va pas tarder. Moi, on va envoyer le sommaire. Un grand angle, si c'est possible. Regardez, c'est un plan pas large, beau tu veux dire. Un plan large. Ah, pardon, un plan large. C'est pas beau tout ça, là? Alors, voilà, il y a des avions derrière, il y a des gyros, il y a du public. Merci le public d'être là ce soir. Pancarte, applause. Non, je rigole. Voilà. Et asseyez-vous, mettez-vous à l'aise, faites comme chez vous. Et puis on peut lancer tout de suite le sommaire. Ce que je propose. Ah ouais? Pas mal, ouais. Le sommaire. Ouais. Ok. Tranquille. Allez, c'est parti. Donc qu'est-ce qui va se passer ce soir? Eh bah, ben, j'ai eu la chance de faire un petit tour, enfin un grand tour de Pendulaire hier avec donc du coup, on va pas dire qui c'est, mais on laisse un peu de mystère. Voilà, on laisse un peu de mystère. Allez, voilà. Et puis on a rencontré Steven qui est un jeune pilote instructeur en trois axes et qui nous racontera un petit peu son parcours et son histoire. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir Jean-Seb qui a fait un tour du coup dans le Storch, je ne dis toujours pas avec qui, qui a fait un tour dans le Storch, ils sont partis se poser sur une altisurface. Une petite altisurface, il y aura un peu de ballon, hein, on découvrira les paysages du Beaujolais en ballon,
expérience aéronautique assez sympa. Et encore une fois, on a encore eu de la chance d'aller à la rencontre de Monsieur Duquesne. Voilà, chez Duc, on était chez Duc. Et vous allez voir que c'est plutôt sympathique. Nous étions bien contents d'y être ce matin. Voilà, et puis... Et puis, sur l'aérodrome de Pisa, il y a tout un groupe de jeunes pilotes qui sont venus faire un stage accéléré en pendulaire. Donc, on a suivi un petit peu leur parcours en cours de formation accéléré. Voilà. Puis après, on va avoir du ruban adhésif qui tourne dans tous les sens. Non, c'est pas vrai. Du ruban, une jolie image. Voilà, je n'en dis pas plus. Voilà, de toute façon, on aura l'occasion de voir ça tout à l'heure. Juste avant de se lancer dans tous ces sujets, cette semaine a été une semaine aéronautique pas vraiment chargée. On n'a pas eu une météo incroyable. Mais ce qu'on peut dire en revanche, c'est qu'il y a eu le 14 juillet. Alors, il n'y a pas eu de défilé terrestre, il y a eu juste un petit défilé aérien. Donc on peut juste faire un petit récap là-dessus. Ouais. Moi je suis allé à la Défense pour voir un petit peu, il faisait pas une météo de fou. Jean-Seb, tu veux lancer les images? Voilà, donc ouais, il y avait quand même un petit peu de monde alors qu'il n'y avait personne à la Grande Armée ou sur les Champs-Élysées. Et donc les festivités sont ouvertes avec un passage de la Patrouille de France. Voilà, qui a été suivi par une série d'avions, je crois que c'était surtout des Mirages qui étaient représentés plutôt que des Rafales. Voilà, j'ai eu l'impression que les autres années, il y avait plus de matière, parce que ça a duré 5 minutes finalement. C'était surtout les transats qui étaient impressionnants, j'ai trouvé, qui sont passés très très bas et très très lentement. Voilà. Bon, c'était juste un petit clin d'œil pour l'actualité. Et puis on va pouvoir repartir tout de suite avec notre sujet. Alors qu'est-ce qu'on doit dire? Déjà, on doit lancer le truc. On est aujourd'hui ce soir à Pisay. Voilà. On a été accueillis par Samir et Larry, on est chez lui. Pisay, c'est entre où et où? Alors, c'est entre Mâcon et Roanne, d'est en ouest, et je dirais que c'est entre Châlons et Lyon. Est-ce que c'est plutôt bien ça? Ouais, bon, c'est pas très précis. Oh. On n'est pas très loin de Mâcon, on doit être à 5-10 minutes de vol de Mâcon. Il y a comment ça s'appelle, Monceau aussi qui est pas On est au nord du Beaujolais? Au sud du Beaujolais? Au nord du Beaujolais. On a vachement bien préparé, hein. T'as vu, On est à bloc. On est à bloc. Alors, qu'est-ce qu'on peut raconter l'histoire? On était parti pour venir ici le mercredi. On a été bloqué par un front nuageux à Montargis. Ah ouais. Du coup, on s'est dérouté. La référence, comme ton fils, je précise. Je m'appelle Quentin, je suis de Montargis. Référence, Quentin de Montargis. Personne n'a la ref. Oh, je suis vieille, ça y est. Moi, je le sais, c'est un film de Francis Weber, c'est Tais-toi. Voilà. Oui, c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut dire? Du coup, on est... Montargis, on s'est posé déroutement à Montargis. Déroutement à Montargis, on était bloqué toute la journée. Il y a mieux que de passer une journée à Montargis. Oui, c'est vrai. Il y a mieux. Mais on avait quand même la chance, encore une fois, je n'aurais un problème avec ce mot, mais on a eu la chance de trouver des bonnes personnes. On a rencontré des gens très sympas. On fait un petit clin d'œil à Paul-Émile et à Clara, à Nicolas, qu'on a rencontré à Montargis, avec qui on a passé un bon moment, qui sont des pilotes et mécanos. Étonnamment, ouais, donc Paul-Émile est pilote et Clara est mécano à Orly. Voilà, et puis on a passé un bon moment et ensuite vous avez pu continuer votre chemin et venir jusqu'ici et passer un petit peu deux jours sur l'aérodrome de Pisay pour voir un petit peu l'activité, rencontrer les gens et un peu prendre sa marque. Et on est très heureux ce soir vendredi à 21h04. Et on a la chance, il fait beau. Il fait plutôt beau, le vent est tombé. Et on est plutôt très content de pouvoir faire cette émission ici parce que c'est une grande première. Techniquement, ce n'est pas forcément simple de se déplacer. Ça fait un peu comme Interville, d'aller de ville en ville pour aller faire une émission. Bref, on va pouvoir lancer tout de suite le premier sujet. Le premier sujet, alors... Mais qu'est-ce donc? Laura, qu'est-ce donc? Quelle nouveauté à Pisay pour toi? Pour toi? J'ai eu de la chance de faire un tour de pendulaire, un tour au baptême plutôt, c'est plus French. Je vais dire le nom avec... Monsieur Samir et Larry, qui j'ai eu beaucoup de chance. Alors, je vais avouer, hein, j'ai eu la trouille comme ça, quoi. Vraiment, je n'osais pas grimper là-dedans. J'ai eu plusieurs propositions, j'ai refusé. Mais j'ai confiance totale en Samir et Larry. Et je me suis dit, bon, arrête les conneries, quand même. Les images parlent d'amour. On voit que tu es concentré quand même. Faut pas se laisser non plus avoir par la peur. Et puis, voilà, une petite prise de vitesse, décollage, petit palier d'accélération. Voilà, puis sèche-cheveux, tant qu'à faire, t'as pas la tête à l'air, mais... Voilà, et puis vous montez. Bon, alors, faut quand même dire, pour faire un baptême en pendulaire, c'est quoi, c'est un Tanarg, c'est un Skyper? Je crois que c'est un Tanarg. Je l'ai devant les yeux, donc j'ai juste à regarder, en fait. C'est un Tanarg Neos, qui est un peu l'ULM le plus en vogue du moment, avec une Bionix 2, me semble-t-il, ouais. Donc c'est plutôt une config sympa pour faire son premier vol, et puis t'as pas le pire pilote avec toi. Voilà. Non, c'est sûr. Et d'ailleurs, on va lui demander de venir nous rejoindre, Samir. Je vais refaire le cadre avec toi, tu peux t'asseoir ici. Tac, je vais juste appuyer dessus, hop, tu restes appuyé 3 secondes, voilà. Allez, c'est parti. Est-ce que je parle déjà de mes petites Vous êtes toujours... je peux toujours parler un petit peu de mes impressions. Donc, impression, alors, je vais répéter 3000 fois ce mot.
Alors c'est génial, juste petit moment de stress, on est turbulence, c'est pas du tout le même délire qu'en trois axes. Hein. C'est, t'as pas les mêmes sensations, déjà c'est comme ça, tu fais ok, est-ce que tout va bien en fait? Tout va bien, enfin, t'as juste à pas bouger comme un malade, pas stressé. Et puis voilà. Là, vous êtes monté assez haut quand même, non? 5000, c'est ça? Là vous êtes au-dessus de la couche là? 4005. 4005, ouais. Ok. Ouais, on est monté au-dessus de la couche. Vous t'as senti la différence de température? Ouais, ça clairement, ouais. Puis c'est, alors, tu t'en rends pas compte quand tu montes, peut-être parce que j'étais concentrée à pas faire des bêtises, mais quand on est descendu, on a fait imposer du coup sans moteur. Hein, et du coup, toute l'air dans la tronche, là, tu sens l'air. Et ça se réchauffe de malade. C'est vraiment hyper agréable. Même alors, si t'as la combi, non, t'as pas trop froid, mais c'est genre, c'est super agréable, tu te réchauffes. Et là, il y a beaucoup de pilotes qui font référence au pendulaire comme un peu la moto du ciel. Est-ce que t'as eu cette sensation un peu d'être en moto? Il y a beaucoup de gens qui viennent de la moto. Ouais, une Harley Davidson, quoi. Une Harley Davidson de l'air, t'es comme pour ça, moi, tu vois. Pour moi, le Tanark, c'est la Goldwing de l'air, ouais. Non, mais c'était magnifique, puisque vous êtes super bien cadrés, les gars, j'adore. Ouais, c'est magnifique. Ah ouais, je suis désolée. Ouais. Dans la sphère, ça marche pas. C'était magnifique au-dessus des nuages. Je pense qu'on peut pas rêver mieux en baptême de pendulaire. Voilà. Je vais juste vous dire une petite anecdote pendant le vol. Donc quand on est sorti de la couche, on était au-dessus de la couche, hein, pour qu'on soit bien clair. J'ai eu une sorte de petit vertige au fait, le fait de voir le sol d'aussi haut et puis t'as pas le bord, t'es pas enfermé dans une cage, au fait. Ça m'a fait une petite angoisse en fait, je te l'ai pas dit, mais sur le coup je me suis dit, est-ce que je lui dis là je me sens pas bien? Je me suis dit, mais arrête tes bêtises quoi, tout va bien. Bah, c'est sûr qu'au pendulaire t'es beaucoup plus exposé au vent, au froid, à la sensation d'être... T'es pas habitué, t'as pas du tout les mêmes sensations, et donc du coup je me suis dit, bon on va se calmer et juste profite et voilà. Donc, on va prendre quelques images au-dessus du Beaujolais, on voit, il y a de la vigne partout. Hein. Foncez, c'est pas mal, c'est... Il y a de la vigne partout, je sais pas en 4 pas de moteur où est-ce qu'on se pose. Mais partout. En fait, l'avantage, c'est que tu n'hésites pas. Quand tu as un terrain posable, tu le prends. On n'a pas 5 ans. Le choix est plus facile à faire que parfois. Wow, c'est quand même des super belles images. Ouais. Ça, c'était hier soir? Oui, on avait une superbe lumière. Il a fait moche toute la journée et là, vers 19h30, je crois, bam. Super. Ah, mais ça, super, c'est des ciel. Trucs qui me manquent. Les petits vols au-dessus des petits cumulus comme ça, c'est des trucs en pendulaire qui sont super agréables. Et puis un très bel atterrissage. Ça, très c'est bel vous atterrissage. Qui avez atterrissé? C'est pas moi. Moi, je vais pas dire vous ou ni nous, parce que c'est Samir qui s'est posé. Le fameux kiss landing. Ah, j'ai mes petits réflexes de trois axes, faut pas oublier. Je sais pas, c'est... J'ai jamais piloté, parce que je sais pas où ça se situe sur un pendulaire. De... Bonjour. Alors attends. Je vais y arriver. Tu es chaude? C'est mieux. Alors, cette lumière de ouf. Ah, c'était beau au-dessus des nuages. Et j'ai mes réflexes du LM 3 axes, quoi. Ouais. Bravo, j'en sais. Bravo. Je rigole. Bon, ça t'a plu? Ouais. Ok. Mais c'est pas simple, hein. J'ai pas fait la maline. Hein. Je peux te dire que petit flip de temps en temps, parce que turbulence. Puis je vais aller à gauche, puis je mets le manche à gauche. Et puis non, en fait, ça marche pas comme ça. Voilà, j'ai les oreilles bouchées. C'est cool, j'adore. Bon. Voilà. Eh ben super, c'était le baptême en pendulaire de Laura. Eh ouais, j'ai porté mes balls. Alors moi qui suis un penduliste, on sait se dit penduliste? Je sais même pas. Moi qui suis un pilote pendulaire de nature, parce que j'ai commandé par ça, je vous encourage tous à essayer le pendulaire, parce que c'est vraiment une expérience unique, super sympa. Mm. Et c'est une sensation de voler qui est assez unique. Et je pense que Laura, dans ce décor, avec cet instructeur, c'est un peu la meilleure config que tu peux avoir. Le gros kiff. Le gros kiff. Voilà, ce sera le Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que donc ici, nous sommes à l'aérodrome de Pizet, chez Samir. Et chez Samir, on y fait différentes activités. Donc, on a parlé du pendulaire, mais on y fait aussi du paramoteur, un peu de ballon, il y a de l'autogire et aussi donc, du trois axes. Ouais. Samir est revendeur Fly Synthesis, c'est ça? C'est ça. Tu importes des machines donc italiennes, me semble-t-il. Donc il y a machine L basse, le Texan, machine LO, le Storch. Il y a d'autres choses, c'est Fly Synthesis? Ouais, il y a le Synchro, le Wallaby, le Catalina. Il y a une gamme assez large. Il y a des amphibies. Enfin, ah, il y a des amphibies? Après toute la production n'est pas distribuée en France. D'accord. Parce qu'il y en a qui répondent plus à des... Et ça correspond aux normes ULM qu'on connaît, tout ça? C'est des machines qui sont toutes ULM? Toutes ne sont pas ULM, il y en a qui sont plutôt LSA. D'accord, voilà. Très bien. Mais sinon, il y a déjà une gamme d'ULM assez large, et puis c'est une des plus anciennes marques d'ULM composite. Hein. C'est une marque qui a plus de 30 ans, quoi. Donc ils ont un savoir-faire en matière de composite avec des employés qui,
qui travaille dans la même dans la boîte depuis 25 ans. Voilà, donc c'est une boîte une qui marque historique. Une marque historique, très bien. Et bah, du coup, on va pouvoir parler, on va rester dans le trois axes et on va parler de Steven, qui jeune est instructeur. Un jeune instructeur, donc, qui est instructeur ici, voilà. Qui est un peu un de tes... Une nouvelle recrue. Une nouvelle recrue, ouais, qui fait partie de ton équipe. Année, oui. Alors, tu peux nous parler de Steven. Il est là, Steven, ou pas? Il est là, ouais, ouais, il est là. Tu peux nous dire combien tu as d'instructeurs? Alors, en saison, là, on est 4 instructeurs. Donc, il y a... moi, je fais un peu toutes les classes et on va dire je bouche un peu les trous. Il y a Steven qui est à 100% sur le multi-axe, qu'on a recruté cette année, là, donc pour, au moins pour la saison. Pierre-Jean, qui est là à l'année, qui est instructeur pendulaire. Mm-hmm. Et puis Antoine, qui a 22 ans aussi, qui est un jeune, et qui est instructeur paramoteur et pilote baptême en pendulaire. Et accessoirement ton fils. Et accessoirement oui. Voilà. Ah oui. Okay, qui bon, fait bah, du paramoteur. Qui fait du paramoteur. Qui fait du paramoteur. Et qui est pilote pendulaire aussi, me disait-il. Et ouais, c'est un pilote pendulaire, mais... fait pas d'instruction. Eh bien, écoutez, on va tout de suite partir à la rencontre. À la rencontre, c'est ça, de Steven, qui est instructeur, jeune instructeur, 3 axes, ici, à l'aérodrome de Pizay. Laura, c'est toi, là? Ouais. Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Steven, je vais avoir 21 ans. Et je suis instructeur ULM multi-axe, du coup, sur l'aérodrome de Belleville, depuis maintenant quelques mois. J'ai toujours été vraiment passionné et attiré par tout ce qui volait, en fait, vraiment. Donc, j'ai grandi à côté d'un aérodrome et du coup, ça m'a toujours un petit peu fasciné. Donc, ma mère, elle m'emmenait à l'aérodrome après l'école, quand j'avais, on va dire, 8 ans. Après, j'ai fait mon baptême, du coup, à 9 ans, c'était en avion. Et étant donné que j'étais un petit peu trop jeune pour faire du vrai, en fait, je faisais de l'aéromodélisme. Hein, donc, j'en ai fait en club, j'ai pratiqué en club. Voilà, pendant quelques années, et ensuite du coup j'ai passé brevet d'initiation aéronautique et j'ai commencé un petit peu d'avion et ensuite du coup de l'ULM. Quoi. Ça va faire 3 ans là cet été que je suis instructeur. J'ai passé ma qualification d'instructeur à 18 ans. Voilà, je venais d'avoir 18 ans, donc je venais d'avoir du coup le permis de voiture. Donc j'ai pris la voiture et je suis allé du coup directement en formation instructeur. Donc voilà, où j'ai consacré en fait mes vacances pour devenir un gros instructeur. Quoi. Alors j'ai été formé sur la base de Montpezat, donc dans le Lot-et-Garonne. Hein, bon, je pense que tout le monde connaît à peu près la base de Montpezat. Donc voilà, donc j'ai été formé là-bas du coup. Ouais, alors du coup là-bas c'était sur du Ninja, hein, mais bon c'est ni plus ni moins que du Skyranger. Et puis ensuite j'ai fait un petit peu mes armes en tant qu'instructeur sur Skyranger du coup. On instruit sur Storch, donc qui est derrière. On a aussi le Texan, donc juste à côté, ou sinon là-bas. Donc voilà, on a deux types de machines. Donc le Storch qui est plutôt lui adapté au local, etc. Et puis sinon le Texan qui lui est plus adapté du coup pour de la navigation. Mais les deux vont très bien en école. Quoi. Bah, les projets, c'est déjà de continuer à vivre de l'ULM. Déjà, ça serait déjà pas mal. Après, éventuellement devenir formateur d'instructeur par la suite et passer sur d'autres classes d'ULM. Pourquoi pas, voilà, mais tout en restant dans l'ULM, quoi, pour la philosophie et puis pour le côté liberté de la pratique. Alors ouais, j'avais fait un petit peu d'avion, donc c'était sur un vieux Jodel D112, donc avion de 1955, 65 chevaux, donc pas de volet, train classique, donc voilà, c'était assez, assez formateur, donc j'en ai fait, on va dire, une douzaine d'heures. Donc voilà, j'avais été lâché le jour de mes 15 ans, du coup, au bout de 6 heures de double. Voilà, puis après j'avais fait quelques solos dessus, etc. Quoi. Alors aujourd'hui, j'ai dépassé les 500 heures, donc je vais entre 5 et 600 heures, à peu près. Alors mes meilleurs souvenirs, bon, c'est on va dire qu'il y a des vols plus beaux que les autres, donc tout ce qui est vol au coucher de soleil. Et puis après, survoler un petit peu les quatre coins de la France, quoi, c'est génial. Quoi. Du coup, niveau multi-axe, on a quand même effectivement pas mal d'élèves. Donc c'est un petit peu de tous âges, on va dire. On a des plus ou moins jeunes, hein, évidemment. Du coup, nous, on vole tous les jours sauf le mercredi. C'est notre jour de fermeture, étant donné qu'on travaille du coup le dimanche. Donc voilà, mais sinon tous les jours de la semaine on vole et évidemment le week-end du coup. Du streaming. Oh merci Jean-Seb, merci. Bah oui, ça. Voilà. Jean-Seb est en train de dire la qualité est en train de baisser un peu en termes de qualité de diffusion. Ah bah là tu peux y aller, c'est pas très quali. Ce sont les aléas du. Et puis il était en train de se dire regardez, tout va bien ce soir, c'est impeccable, on est à Pizay, il n'y a aucun problème technique. Ça baisse un petit peu ton micro. Non, mais c'est parce que je parle trop fort. Voilà, c'est bon.
Donc voilà, c'était Steven. On était très contents de le découvrir. C'est quand même super chouette. De le rencontrer plutôt. De découvrir. Moi, je l'ai découvert dans Sujet. Et voilà. Et il est là, en tout cas, oui, il est là. Souvent les gens nous demandent l'ULM, pense que c'est un truc de vieux, place aux jeunes, qu'est-ce qu'on fait pour attirer les jeunes? Eh bien, il faut le savoir, il y a plein de jeunes comme ça. Regarde, on a rencontré Charles il y a 2 semaines. Il y a plein de jeunes qui sont pilotes et qui sont instructeurs et qui se lancent là-dedans et qui montrent un peu l'exemple, en tout cas qui donnent envie. Donc l'ULM, c'est pas forcément quelque chose de réservé à une certaine classe de personnes et un certain âge. Il y a de plus en plus de jeunes et il faut aller à la rencontre et il faut les mettre en avant parce qu'on n'en parle pas assez souvent. En tout cas, Steven est une référence. On peut dire qu'il a été instructeur à 18 ans, donc c'est quand même plus jeune instructeur de France, c'est ça, c'est ça, hein. Ouais. Et voilà, donc on le félicite et on vous encourage tous à faire de même. Voilà. Maintenant, on va parler. Ça c'est dit. Voilà, ça c'est dit, c'est bien dit. Laura, qu'est-ce que tu fais? Tu dors? Ah non, je dors pas. Laura, moi, je regarde mon conducteur, en fait, conducteur de bus. Tu tweets? Ah non, c'est ça, ouais. Salut, ça va? Ouais, toi, ouais. Ah bah, je suis en direct là, en fait. Ah, des gros problèmes hein, en ce moment, tu sais, problèmes techniques. Bon, j'arrête. Allez, alors du coup, est-ce qu'on passe au truc prochain ou est-ce qu'il y en a certains qui ont des trucs à dire? On va parler un peu de technique de pilotage. Bon, on pourra commenter après avec Samir. On va juste lancer le sujet d'abord pour que vous voyez les images. Ouais. Jean-Seb est allé faire un petit vol en Storch sur cette version un peu jumper. 80 chevaux. Et a été découvrir comment poser sur une altisurface. Nous, on est un peu des pilotes de plaine. On vole entre 3 champs de betteraves à Persan. Et c'est vrai que voler un peu dans du relief, c'est quelque chose. Et poser sur des altisurfaces, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas trop. Ouais, moi, c'était ma première fois. Donc, c'était impressionnant. On va regarder. On va regarder. Allô, ah, tu peux y aller, là. Montée à 90. Tu peux attaquer la montée. Hein. Ah ouais. Là, il me faudrait un peu de trim. Hop, voilà, ok. En fait, l'idée, c'est de passer sur le sommet à assez bas, tu vois, moins de 100 mètres. Pour bien. En plus, là, j'ai vu que la planche à air s'est décrochée. Donc, on va faire. Tu vas un peu à droite, là, tu vois, tu vises. Et on va passer perpendiculairement à la piste sur le sommet. Le circuit, en fait, se fait en suivant la crête, là. Et on va venir chercher la finale ici, tu vois. D'accord, donc je vais plutôt à droite. Donc tu arrives à droite, tu fais un passage assez bas en haut, et ensuite on longe cette crête là pour faire l'avant, une sorte de vent arrière quoi. Ah, t'as un poil trop de pied là. Ah, ouais. Ah, tu peux te remettre en palier là. Ah, tu vois la plateforme en haut qui est plate, là on se rend pas bien compte de la pente, mais je te dis à 20% ça commence à être pas mal. Donc faut surtout pas toucher les freins après le poser. Il faut même remettre pas mal de sauce pour arriver sur la plateforme en haut quoi. On va mettre un cran et on l'amènera à 100. En air calme sur le plat, je l'amène plutôt à 80, tu vois. Voilà, et on va bien chercher loin pour avoir le temps de préparer notre finale. En fait, quand tu le sens pas en montagne, tu dois remettre les gaz bien avant la courte finale pour pouvoir dégager devant la piste parce que passer au-dessus, c'est interdit quoi. Ouais. Tu remets pas les gaz en courte. Une fois que tu es en courte, c'est... Atterrissage obligatoire. On continue tout droit. On va mettre un cran. Bah, donc là, on est pas mal au niveau du plan. C'est beau, hein, le coin. Ah ouais. Tu vois, ce qui est génial, on est tout près, quoi. Ah ouais, carrément. Et il y a un petit resto juste au-dessus. Ah ouais. Ouais. Donc là, je suis en base, je suis à 96, donc j'ai un peu de sauce. Ouais, mais laisse-le descendre un peu, là. On est un peu haut, là. Vas-y, réduis, là. On va se replacer tout de suite. Pas du tout. Hein ? Pas du tout, ouais. On va récupérer le plan. Parce que si tu prends une grosse pompe. D'accord. En courte. Alors le plan c'est quoi? C'est un plan horizontal en fait? Quasiment, hein, on est en légère descente là, hein, tu vois, réduis bien. Je vais peut-être le prendre là pour vas-y, le poser prends, comme il y a, voilà. Vas-y. Surtout que... Donc on est en légère descente mais on va compenser avec le moteur pour arriver sur un plan plus plat que l'habitude et surtout on va garder ce régime moteur pendant l'arrondi. Ouais. Tu vois, bon là ça dégueule donc je compense. Fait que avec le régime moteur je vais avoir une gestuelle à l'arrondi qui sera à peu près comme tout réduit sur le plat. Alors on va dire un peu plus le mur hein. Ouais. Ça
peu. Ah, salaud, il y a de l'herbe. Ah, c'est pas très compliqué, hein. Ah ouais, là, faut en mettre des gaz. Je vais garder un peu en wheeling. Et là, faut bien pousser sur le manche. Tu vois, là, j'ai plein de gaz, hein. Ah ouais, ouais. Donc là, faut un peu connaître sa machine, tu vois, pour... Alors on a posé un peu bas, du coup tu vois, faut pas mal de sauce pour remonter. Et en avion, là tu vois, la vitesse où on était, je pense qu'il n'arrivait pas sur la plateforme. Donc des fois les mecs ils font demi-tour au milieu de la pente. Ouais, putain. Pour décoller, tu vois. Ah ouais, ouais. Bon ça va, l'herbe est pas si pire que... Ah ouais, c'est impressionnant, hein. C'est impressionnant, hein. Ah ouais, sympa, incroyable. Hein. Incroyable, ouais. Et puis ce qui est génial c'est que c'est sans limite après au niveau progression, découverte et tout, avec toutes les plateformes montagnes qui existent. Mais là, quand tu étais gaz à fond en train de monter, il fallait mettre un peu de manche en avant pour être sûr qu'il... Non, au contraire, je le soutenais un peu. Tu vois, celui-ci, ouais. Voilà, mais parce que tu as la traction qui te tire vers l'avant, tu vois, donc il n'y a pas trop de risque. Voilà. Ouais, okay. Par contre, si tu es comme ça et puis que tu réduis d'un coup, là, tu peux basculer un peu sur l'arrière. Ouais. Ça dépend de l'équilibre statique de ta machine. Bah écoute, c'est ma première fois. Bon, voilà. C'est vrai, hein, j'ai jamais posé sur une altifuse surface comme ça. Alors là, tu vois, il y a pas mal de cailloux. Le sommet, là. Donc ce que je fais, c'est que quand on part, je le laisse rouler un peu et je mets les gaz très tranquillement. Il y a des avions qui se posent ici, là ? Ouais, ouais, ça, ils posent avec des avions. Ouais. Bon, tu verras, il y a des trucs bien pires que ça, même en avion. Donc un cran de volée, trimoneutre, tous les paramètres sont OK. Donc voilà, on va y aller tranquille, comme en vol libre, là, tu vois, on laisse rouler. Là, on pourrait pas se décoller comme ça. Et là, je mets les gaz doucement. Magnifique. C'est beau, hein ? Ah ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! C'est pas possible ! C'est pas possible, j'en sais rien. Mais non, mais c'est n'importe quoi, cette émission. Mais c'est Stéphane. Stéphane n'est pas là ce soir. Ah, Stéphane n'est pas là, il nous manque, c'est ça, j'en sais, mais il est tout seul. Alors, le son, c'est pas... Si, c'est ça, c'est très rigolo. Donc, on était contents, c'était un petit sujet sur les altisurfaces. On a Samir avec nous qui peut nous en parler un petit peu. Laura, est-ce que toi, tu as des questions déjà ? La question que tu te posais tout à l'heure, est-ce qu'il y a besoin... Enfin, est-ce qu'il faut s'entraîner avec un instructeur avant ? Ou est-ce qu'on peut y aller comme ça, genre moi, allez, je me casse sur l'altisurface et je fais ma live, quoi ? Alors. Effectivement, en ULM, tu peux aller sur une altisurface sans formation préalable, c'est pas obligatoire en général. Ouais. Donc, il y a des fiches, il n'y a pas de carte VAC sur les altisurfaces, sauf sur les altiports qui sont ouverts à la circulation, où là il y a une carte VAC et il y a les conditions d'accès. Et sur les altisurfaces, bien souvent, si on est en avion, il faut la qualif montagne ou la qualif de site. Et en ULM, souvent, il est juste conseillé d'avoir suivi un cursus montagne. D'accord, donc okay. Le cursus montagne, c'est des formations qui ont été mises en place par le pôle national de vol montagne, qui est à Gap, et qui est un système, on va dire, volontaire. C'est-à-dire que ce n'est pas une qualification obligatoire, mais les gens s'engagent dans une formation, et s'ils ont suivi le cursus, bah, ça leur permet d'avoir un petit peu plus de crédit, et surtout d'avoir des outils et des connaissances pour pouvoir aborder le vol montagne. Ouais, plus sécurisé. C'est vraiment quelque chose de pas... Ce serait dommage d'aborder le vol montagne sans le faire comme il faut, en prenant des risques ou en se faisant peur. Et en plus, c'est vraiment très intéressant comme complément pour un pilote qui est déjà un petit peu, qui a quelques expériences dans le vol. Ça lui offre des possibilités de progression vraiment énormes, quoi. Ouais. Donc, faut pas hésiter à aller voir des instructeurs. Alors après, il y a des instructeurs qui sont pas forcément labellisés, mais qui ont quand même les compétences du vol montagne. Il faut un petit peu... Voilà, c'est l'ULM, hein. Chacun prend ses responsabilités aussi. Mais en tout cas, vraiment... parce qu'en plus, c'est des terrains qui ont des équilibres assez fragiles, souvent au niveau de l'environnement. Mm-hmm. Donc il ne faut surtout pas aller semer le désordre sur ces terrains, parce que c'est précieux et c'est plus facile d'en fermer que d'en ouvrir des terrains montagne. Donc il faut... Et donc surtout que la logique quand on aborde une altisurface, c'est que quand on décide de faire l'approche pour se poser, on se pose quoi qu'il arrive. Alors il y a un point de non-retour, effectivement, ça dépend de la configuration du terrain et puis de la machine avec laquelle, mais il y a clairement un point de non-retour. Donc il faut faire attention aussi aux autres appareils qui seraient éventuellement en approche. Donc il y a tout un tas de règles à connaître, voilà, c'est très intéressant. Et puis l'aérologie prend toute sa dimension, hein. L'aérologie de montagne est forcément un petit peu plus complexe
oui, donc que l'aérologie en pleine, voilà, les phénomènes de brise, voilà, suivant les heures. Et globalement, est-ce qu'il y a des machines qu'on conseille pour aller poser sur des altes surfaces, ou est-ce qu'il y a des machines qu'il faut Je me posais cette question, mais je me suis dit, bon, à mon avis, elle va être bête, mais il n'y a jamais de questions bêtes. C'est pour ça qu'il faut la poser, parce qu'on est spécialiste des questions bêtes. Est-ce qu'on pose aussi bien avec un pendulaire qu'avec un VL3, qu'avec un autogire? Est-ce qu'il y a des machines de prédilection pour aller poser On a l'impression que le jumper, c'est une machine qui a été un peu designée pour ce genre de pratique. Est-ce que... Oui, ça faisait un peu partie du cahier des charges quand on a demandé à Fly Synthesis de développer la version cross-jumper. Oui, après, je crois que c'est toi qui leur as demandé, en fait, tu l'as développé. Oui, c'est moi avec qui eux. Les ai un peu incités à ça parce que ça m'intéressait. Et puis, je trouvais que ça manquait un peu dans la gamme. Et effectivement, traditionnellement, il y a beaucoup de trains classiques, notamment pour l'usage en hiver sur ski, c'est un peu plus facile, mais il y a des machines train tricycle comme le Storch et bien d'autres qui ont tout à fait les aptitudes au vol montagne. Ce qu'il faut, c'est des machines qui ne soient pas trop lourdes au niveau de la roulette avant, pas trop de charge dessus. Et après, des machines avec un train un petit peu robuste, un peu d'amortissement, un peu de garde au sol. Il faut savoir que les terrains montagne, on y va sous notre propre responsabilité. Il y a pu y avoir des sangliers qui ont un peu tout défoncé pendant la nuit, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a, une procédure de reconnaissance qui est beaucoup plus élaborée que sur un terrain ouvert à la CAP. Hein, on fait en général trois passages de reconnaissance, une haute, une basse et ensuite un passage bas sur la piste quand c'est autorisé. Pour vraiment s'assurer que le terrain est apte, parce qu'il n'y a personne d'autre que le pilote qui peut décider si le terrain sera apte ou pas. Après, il y a une base de données des terrains sur laquelle, quand on adhère soit au pôle vol montagne, soit à l'association française des pilotes de montagne, ou aussi bien des pilotes avions QLM, il y a une base de données et il y a une jarre d'informations. Des terrains, oui, quand il y a une urgence, jour, quoi, tout voilà. Le monde, c'est un peu open source, tout le monde voilà. Peut donner un peu d'infos. Et après, sinon, sur les fiches bas, elles sont toutes reprises, pratiquement, en tout cas celles qui sont ouvertes aux ULM. Donc souvent, il y a les contacts téléphoniques, il ne faut pas hésiter à appeler avant d'y aller, quoi. C'est vraiment important. Un truc bête encore, si tu te retrouves coincé, tu fais quoi? Tu te retrouves coincé au plein milieu, tu n'as pas assez si, par de exemple, puissance. Tu te poses, si tu te poses et tu, on va dire, tu casses ton train ou tu ouais, prêles, voilà, oui, ou pire, bah, ouais. C'est système D après, hein, soit il faut réparer sur place, soit il faut démonter, voilà, c'est l'aventure un peu, hein, c'est ça aussi. C'est l'aventure, bah oui, à un moment donné, elle est posée sur des altes surfaces, c'est un peu une recherche d'aventure. Tout à fait. En tout cas, la vidéo que vous avez faite avec Jean-Seb, elle donne super envie. Donc moi, j'encourage tous les pilotes aussi à s'essayer, à poser sur des altes surfaces avec un instructeur qui connaît un peu l'endroit. Et puis c'est vrai que du coup ça ouvre tout un. C'est rigolo parce que moi je suis pilote sur un MCR et j'ai acheté le MCR à quelqu'un justement qui vendait sa machine pour acheter une machine qui permettait de poser. Alors c'était un Italien en Italie, mais pour poser un petit peu dans les Alpes, un peu partout. Et aujourd'hui il fait des vols assez incroyables. Alors c'est pas souvent des machines forcément plus performantes sur la vitesse, mais en tout cas elles permettent, elles permettent des vols de se renouveler et voler en montagne, c'est. Voler en montagne avec l'aérologie de montagne, c'est quand même super sympa. Et dans le cursus d'un pilote, c'est vraiment c'est un peu ce qui se fait de mieux aujourd'hui, non? Souvent les. Je sais pas si c'est ce qui se fait de mieux. Hein, mais en tout cas, c'est des vols qui sont pas routiniers, quoi. Il faut chaque vol. Se mérite, demande une préparation quand même, une étude. Mais tu fais pas ça le matin, tranquille. Et puis ce qui est sympa, tu vois, c'est que ta petite surface, elle a 10 minutes d'ici. C'est ce que j'allais dire. Et c'est tu es transporté complètement ailleurs. Ouais, c'est tu vois, c'est ça, moi, ce que j'aime souvent quand on parle de machine de voyage, on parle de performance pure, etc. Ok. Mais pour moi, le voyage, c'est pas forcément la vitesse et la distance, c'est aussi. Changer de paysage, voilà, ça peut changer être de, minutes, voilà, ouais. De, donc. Alors, on va parler d'un vol atypique aussi, d'un autre type de vol pas forcément commun, mais qui se mérite. On va parler un petit peu de ballon, de montgolfière, parce qu'ici, une des activités qui est un petit peu pas insolite, parce que non, mais c'est vrai que c'est assez atypique, notamment sur un aérodrome, sur une base ULM, etc., d'avoir des ULM 3 axes, autogire, pendulaire, des paramoteurs et des montgolfières qui se côtoient. Et donc ici, régulièrement, vous faites quoi à la demande ou oui, en à la demande, de la saison, en fonction des envies? C'est souvent de avril à octobre, la saison ballon, on va dire, où on a des baptêmes.
Donc ça, on vole pas tous les week-ends, mais pratiquement. Hein. C'est un peu sur demande. Et puis après, je fais un petit peu d'instruction aussi. Donc on est un peu... Et donc tu me parlais tout à l'heure, vous avez aussi donc, une nacelle qui est motorisée. Donc vous avez un ULM classe 5, c'est bien ça? C'est ça. Donc c'est une montgolfière qui a une particularité d'être motorisée, donc qui vous permet globalement de la diriger un peu plus que... Voilà, donc c'est une motorisation électrique en plus. Et pour le coup, c'est vraiment une catégorie... C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. On est à fond dans l'électrique. Ouais. On est à la pointe du 21e siècle. Ouais. Mais vous êtes les seuls à faire ça, non? Les seuls, bah en tout cas, c'est une marque française qui est basée à Gap Talar, qui s'appelle Flydoo. Donc c'est un peu une start-up, hein, ça a été créé il y a 2 ans maintenant. Et donc c'est assez novateur, c'est-à-dire que, outre que cette machine est classée ULM, c'est aussi un ballon qui est très astucieux et qui est construit en matériaux, il est plus inspiré par la technologie parapente. Donc avec des matériaux très légers. Et le but, c'était vraiment, c'était pas que de voler avec un moteur, c'était aussi d'avoir quelque chose de facilement démontable, transportable. Donc combien de temps à peu près un Flydoo pour le mettre en œuvre entre le moment où on ouvre les portes du camion jusqu'au moment où il décolle? Alors, si tu es un peu énervé, c'est 20-30 minutes. Voilà. Et si tu prends ton temps, c'est 3/4 d'heure, voilà, tranquille. Mais... Ah, j'imaginais ça beaucoup plus long. Non, c'est pas très long, c'est pas très long. On regarde quelques images? Allez, on regarde quelques images. Regardez. Voilà. Donc voilà, la classe 5, donc c'est la classe 5, les ballons, c'est une manière très contemplative et très chouette de découvrir le vol, surtout dans cette belle région avec les belles lumières du matin. Alors quand on fait de la montgolfière, il faut se lever tôt a priori. Ouais, alors surtout en été. Comme les pendulaires du coup. On vole jamais en conditions thermiques. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut éviter, de se retrouver avec des conditions thermiques. Donc l'hiver, on peut voler toute la journée, mais en été, ça va être... vraiment au lever du soleil, donc en ce moment on donne rendez-vous aux clients à 5h30 du matin, donc ça pique un peu les gens qui viennent un peu de loin et tout. Par contre après, la récompense c'est que c'est quand même souvent des vols assez fabuleux au niveau lumière et ambiance. C'est silencieux. C'est silencieux, on voit les animaux. Et alors moi je me pose la question, parce que ici, moi je l'ai vu en arrivant ici, il y a des vignes partout. Quel degré de précision? Est-ce qu'on va vraiment où on veut aller ou est-ce qu'on se laisse porter et puis il y a une espèce de part de... J'allais poser la même question. Alors ça c'est un truc, c'est ce qui m'a vraiment donné envie d'apprendre à piloter une montgolfière. J'avais fait un vol une fois en passager pour faire des photos. Je ne m'étais pas trop intéressé au pilotage, donc je me suis dit ouais bon ça a l'air pas mal, mais tu vois je ne m'étais pas plus que ça passionné pour le truc. Et un jour j'ai tenu les brûleurs et là j'ai piloté et vraiment ce qui m'a marqué c'est que instantanément quand tu tiens les brûleurs tu as l'impression de piloter une machine quelle qu'elle soit et de choisir une trajectoire etc. Donc bien sûr tu ne choisis pas ta trajectoire à part monter descendre, mais en fait c'est là où tu te rends compte et tu redécouvres l'aérologie parce que toi tu pensais que les brises c'était tout dans le même sens sur des couches relativement épaisses et là tu découvres vraiment la dimension millefeuille de la masse d'air avec des courants qui vont à 90 degrés des fois sur 50 mètres de différence. Donc tu peux vraiment jouer avec tous ces petits courants. Et après, bien sûr, ça dépend des jours. Il y a des jours où les conditions sont joueuses et où tu vas pouvoir vraiment des fois revenir te poser. Ça m'arrive 2-3 fois par an de revenir poser devant le hangar. Donc de prendre une direction et puis reprendre une direction, tu fais 10 bornes, tu prends un vent météo contraire et puis donc là... Mais j'imagine comme on n'a pas de moteur comme on en a, etc., on ressent beaucoup plus, la masse d'air elle est beaucoup plus sensible. Tout à fait, t'es vachement plus... C'est un appareil qui est assez fatigant à piloter finalement, même si ça paraît cool, parce que dans la tête ça gamberge en permanence. Beaucoup. Tu te fais un peu comme en parapente où tu te fais une image mentale de... C'est ça, et t'es constamment en anticipation.
C'est instable par définition, puisque si tu fais rien, ça descend. Donc il faut constamment le tenir en l'air, même si c'est à intervalles plus ou moins réguliers. La chauffe, c'est un peu comme une respiration. Hein. Moi, je compare ça souvent à une respiration. C'est-à-dire qu'il faut régulièrement envoyer un petit coup de chauffe pour pas laisser le ballon changer tu, de trajectoire. Tu peux rester combien de temps en l'air avec ça? Alors ça dépend un petit peu. Là, les vols qu'on fait, on a à peu près 2 heures d'autonomie et on vole 1 heure. On prévoit de voler 1 heure, mais on se garde une bonne marge parce qu'il y a ce côté un peu aléatoire de l'atterrissage. Et après, si tu veux faire des vols de distance, tu peux très bien, si tu charges en gaz et que tu n'emmènes pas trop de passagers ou suivant la taille du ballon, il y a des gens qui traversent les Alpes ou voilà. Et est-ce que c'est quelque chose qu'on fait dans un périmètre qu'on connaît absolument, etc. Ou est-ce que ça t'arrive de te laisser emporter au-delà de ta zone de confort où tu te laisses emporter et tu sors ta carte et tu te dis bon, je suis où, j'arrive où, ah, il y a une zone de basse altitude, je fais comment quand je croise les mirages? Alors en ballon, tu es obligé de préparer un minimum parce que c'est le vent qui va décider dans quelle direction tu vas partir. Après, moi, malheureusement, j'ai pas trop eu le temps de jouer ce jeu-là, mais c'est génial, surtout avec un petit ballon comme le Flydo ou quoi. C'est de dire, voilà, on part un peu à l'aventure. On part un peu à l'aventure. Je fais une petite parenthèse sur les commentaires d'Arthur. Il fait un concours d'orthographe. Je vous le remets. Alors, Arthur. Alors, est-ce que c'est cher un baptême de montgolfière? Alors, j'ai l'impression qu'il va gagner un t-shirt usagé. Ah oui. Un baptême en montgolfière, ça dépend un peu des structures, etc. Ça tourne autour de 200 euros en général. C'est effectivement assez cher parce qu'on ne fait pas de vol court en montgolfière. C'est forcément des vols d'une heure, enfin, en tout cas chez nous. Donc, plus la préparation, c'est une affaire qui dure 3 heures. Donc, effectivement, ça prend beaucoup de temps. C'est le prix à peu près d'un baptême de chute libre en parachutisme. Voilà. Donc, bon, en tout cas, je vous encourage à le faire parce que ça a l'air vraiment, vraiment sympa, surtout dans ce cadre-là. Voilà, et n'hésitez pas à venir à Pizet et si vous êtes un lefto, et ben essayez-vous au ballon, voilà, au Flydo. De quoi on parle maintenant, Laura? En fait, cet après-midi, ce matin, on s'est levé tôt. Vous êtes levé tôt? On s'est levé tôt, ça. On a été à Villefranche, ça y est, j'ai le nom dans la tête, je ne veux pas retenir ce nom. On a été à Villefranche, on a été chez Duc. On a été voir Monsieur Duquesne, voilà, je vais dire le nom entier parce que si je dis Monsieur Duc, c'est un peu bizarre, mais... On a été voir Vincent Duquesne, il nous a montré un petit peu les machines, les bébêtes. Qu'est-ce qu'il fait Vincent Duquesne, pour les gens qui ne savent pas? Qu'est-ce qu'il fabrique? Il fabrique des hélices, Duquesne, je pense que vous connaissez quand même un peu. D'ailleurs, le Texan à côté en a une. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont la sonnerie? On s'en fout, mais bref, Duc, je pense que pas mal connaissent cette marque. Christophe, c'est à quoi? Non, je rigole. Allez, on va arrêter tout de suite cette blague. Est-ce qu'on commence ou pas? Est-ce que tu as des trucs à dire sur les hélices Duc? À une époque, sur mon pendulaire, j'avais une Windspoon, ça s'appelait comme ça. Je connais pas. J'en étais super content, c'était une hélice propulsive. Tu te souviens de ça, de Windspoon? Ouais, bien sûr. Ouais, je suis trop jeune. Ils ont remplacé après par des flashs. Il y a eu la flash 2, je ne sais plus quoi. Et puis, entre-temps, j'ai lâché un peu l'affaire. Mais en tout cas, je me souviens que c'était une hélice qui poussait bien et on en était très contents. Donc, on a de la chance. Oui, bonjour, donc, je suis Vincent Duquesne, le gérant de Duc Hélices. Je vais vous faire un petit topo sur tous nos produits. Donc, maintenant, on a vraiment l'ensemble des produits qui nous permet de couvrir tous les moteurs et toutes les applications et toutes les machines qu'on retrouve dans l'ULM. Et en particulier maintenant jusqu'au 915. Et aussi pour les moteurs 4 temps prise directe. Donc aujourd'hui, on a tous les systèmes de pas variable. Donc on a 3 grands systèmes. On a le système qu'on appelle hybride, le système full hydraulique ou full électrique. Donc ces 3 principes s'adaptent à différents moteurs. Donc système hybride, c'est fait pour généralement les Rotax qui sont des moteurs réductés. Le système full hydraulique, donc entièrement hydraulique, où là il n'y a pas d'électricité, c'est un système mécanique fait pour les Rotax, toujours les Rotax, mais version hydraulique. Et puis on a la version totalement électrique, et là qui a été développée pour les moteurs 4 temps prise directe. À ce moment-là, on n'a pas de réducteur, donc on n'a pas d'autre possibilité que faire un système complètement à 100% électrique. Ces 3 systèmes de pas variable s'appliquent de 2 à 5 pales. Si je vous refais une petite explication de nos différents profils, donc la Swirl, c'est le modèle que beaucoup de gens connaissent, c'est celle-ci, c'est cette pale-là. Donc après, on a sorti le modèle Flash. Donc la flash, comme vous voyez, a une corde beaucoup plus large. Donc c'est une pale qui a plus de portance.
Après, on a sorti la Swirl 3. Et la Swirl 3, pourquoi on a sorti la Swirl 3? Parce qu'on voulait combiner un petit peu les deux modèles. La Swirl 3, on s'est dit, on veut une hélice qui arrache au décollage comme la Flash et qui allonge comme la Swirl. Donc, bien décoller et avoir toujours beaucoup d'allonge. Donc, on a, par rapport à la Swirl, on a gardé une corde relativement étroite. Mais c'est une évolution de la Swirl, c'est-à-dire avec l'expérience et nos moyens de calcul, on a retravaillé le vrillage. On a changé quand même pas mal de paramètres sur cette hélice-là. On utilise ce moyeu-là pour les moteurs 4 temps à prise directe, parce que sur les moteurs 4 temps à prise directe, on n'a pas de réducteur. Et le réducteur a un effet sur les moteurs, c'est que ça va gommer l'effet de couple, ça va lisser l'ensemble. Donc les pales et surtout les pieds de pales vont moins travailler sur un moteur réducté. Donc c'est pour ça qu'on a développé ce modèle de pales, qui est la Swirl 2, qui est spécifique à ces moteurs-là. Donc là, sur la table, j'ai mis quatre profils différents, mais c'est vrai qu'on en a d'autres. Hein. On a une multitude de profils. Tous ces profils sont déclinables donc sur des moyeux de 2 à 5 pales. En plus, on peut jouer sur les diamètres. Donc, en fin de compte, on a une multitude de possibilités et on peut remplir l'intégralité des applications dans l'ULM, quel que soit le moteur, le type de machine, des machines rapides, des machines lentes, des moteurs... réducter des moteurs en prise directe, voilà. Aujourd'hui, on a la possibilité d'équiper l'intégralité de toutes les machines, toutes les applications dans l'ULM. Total Victor. Ouais, on coupe le son. Toujours cet écho impossible. Ah merde. Tous les lanceurs. Donc, merci Vincent Duquesne et merci Duquesne. Duquesne basé du coup à Villefranche, donc merci Samir de m'avoir donné le code OASI que je n'avais pas préparé. Lima Fox Hotel Victor, on est bon. Yes. Voilà, donc si vous voulez aller voir. Ouais, faut y aller. Alors, ils sont très sympas, très accueillants. Et... Ouais. Voilà. Qu'est-ce que bah voilà, et ça c'était pour les hélices. On va revenir un petit peu à Pizet et parler un petit peu de l'activité cette semaine. Moment. Parce que cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé ici à l'aérodrome de Pizet? Une bande de potes. Il y a une petite bande de potes, un groupe de jeunes et de moins jeunes. Non, un groupe de jeunes. Un groupe est venu pour se former, on peut en accélérer pour avoir une formation assez intensive sur le vol en pendulaire. Donc nous sommes allés à la rencontre de Pierre Loïc. Ouais, après, il y en a plein, il y a Pierre Loïc. En fait, surtout, c'est Samir qui a organisé un stage. C'est pas des gens qui débarquent comme ça. Samir a organisé un stage un peu intensif de pendulaire. Et du coup, toute une bande de pilotes sont venus découvrir le pendulaire tôt le matin et de manière assez intensive pendant toute la semaine. Voler parfois dans des conditions un petit peu houleuses. Et puis voilà, on va vous montrer les images et puis on en parlera après. Bonjour, moi je m'appelle Pierre Loïc, je viens de Montpellier et oui, donc je suis avec une bande de 4 amis. Donc bonjour, je sais pas s'il faut dire bonjour. Bonjour. Alors je m'appelle Lydie, je viens de Bretagne, je suis venue ici pour voler en ULM pendulaire avec Samir parce qu'il a bonne réputation, parce que c'est une super école et un super endroit. J'ai débuté ma formation en pendulaire il y a 3 jours maintenant, 4 jours. Je suis Olivier, on est en stage ici à Pizet, chez Samir, pour faire de l'ULM. Donc je m'appelle Marine et je suis en stage ULM. Donc j'ai fait déjà 7 ou 8 vols. Oui, je suis pilote privé, j'ai un PPL, donc je pilote à Vannes et je fais du parachutisme aussi. C'est un apprentissage pour moi qui est un peu plus difficile que pour mes camarades parce qu'ils ont tous une expérience de vol. Moi, je suis le seul vrai débutant. Il y en a une qui fait de la voile, il y en a un qui est pilote, il y en a un qui n'a rien fait d'aéronautique. Donc on a tous un bagage différent. Non, c'est d'abord les copains et après le stage. Et ça donne des vacances à thème, c'est sympa. Voilà, moi j'ai une expérience aéronautique de pilote de ligne et... J'avais envie de toucher à l'aéronautique légère, très légère, la plus légère qui soit. C'est très très différent de ce que je connais au quotidien. J'ai une toute petite aide, c'est que j'ai déjà fait du parachutisme avant, ce qui aide un petit peu. Et de la voile pour les notions de vent et de courant et de turbulence. Alors on est venu à un groupe d'amis, on est 5 je crois, ouais. Un qui vient de Montpellier et on est plusieurs bretons, les 4 bretons. Et c'est une expérience merveilleuse, on est avec des instructeurs super bienveillants, on passe et les vols sont juste magnifiques, la campagne est belle et les machines sont étonnantes.
Là, le concept du stage, tel qu'il a été fait un peu sur mesure par Samir, c'est qu'il a mis à disposition deux machines et deux pilotes pour nous cinq. Puis redevenir débutant à plusieurs entre amis, c'est chouette. On a les mêmes émotions, on stagne, on est content, on n'est pas content. Ouais, c'est chouette. Mais c'est assez sympa parce que vu qu'on est plusieurs, en fait, on regarde les copains voler aussi, on peut échanger entre nous. Donc non, c'est plutôt très très sympa. Les journées du stage, on est en stage intensif, donc c'est ni la grasse mat ni l'apéro. C'est ce que nous avait dit Samir quand on s'est inscrit. Donc on se retrouve vers 7h le matin pour le briefing. On est en stage, donc un stage un peu intensif, un stage de une semaine. On fait deux vols le matin en général, quand les conditions le permettent. Après on fait une sieste et on se retrouve vers 16h30, 17h pour le second briefing et les vols du soir. On retrouve, par rapport au parachutisme, on retrouve pas mal de sensations au niveau moteur coupé. Quand je passe du parachutisme au pendulaire, je retrouve les mêmes sensations qu'au départ, d'être dehors et de cette sensation de liberté d'extérieur. Alors non, c'est, les sensations du parachutisme, non, c'est différent. Le parachutisme, c'est pour la chute libre. Mais moteur coupé, c'est vrai que là, on prend... Et on est tous d'accord, tous ceux qui font là du parachutisme, on est tous d'accord que... moteur coupé, on a des sensations qui sont vraiment très très sympas. Ouais. Des sensations de chute et de liberté d'extérieur que j'ai dans le parachutisme, que j'ai pas dans l'avion, pas dans le DR400. Ce qu'on fait sous voile, c'est vraiment rejoindre le terrain. Le pilotage finalement est assez éloigné. En revanche, on fait du parapente aussi. Et il y a des choses beaucoup plus communes avec le parapente, hein, qui le vol libre. Où on va jouer avec les ascendances et de manière assez étonnante, on ressent beaucoup les ascendances dans ces petites machines. C'est le vent et donc c'est cette sensation de glisse sur l'air qu'on retrouve et qui est géniale. Je me trompe, je vais à gauche quand il faut aller à droite. Hier ou avant-hier, j'ai tiré la barre quand il fallait arrondir. Enfin, je me trompe. Je ne sais pas trop si je vais continuer. Je suis vraiment venue là en découverte. On verra. C'est un sport qui me plaît énormément. Voilà. Pour avoir le maximum de place pour faire l'exercice. Après, on peut s'amuser à faire une approche au moteur également. Hein. C'est-à-dire qu'on arrive un peu plus bas et on va mettre un régime intermédiaire qui va nous permettre de maintenir la pente de descente jusqu'à l'entrée du terrain. Alors, dans mon rêve et dans mon idéal, est-ce que je vais continuer après? J'aimerais bien, idéalement, être brevetée et un jour, pourquoi pas m'acheter ma machine et pourquoi pas voler et avoir mon propre hangar, ma piste. Ça, c'est le rêve. J'ai déjà le parachutisme, j'ai déjà la voile, le kitesurf, donc on va voir. Moi, je n'habite pas à côté d'un aérodrome. Est-ce que je vais continuer? Ah oui, bien sûr. Là, je suis un peu mordu. On est à l'opposé de ce que je connais dans ma vie professionnelle. Mais pourquoi pas? Je vais essayer de pousser un peu plus loin. Ce serait bien au moins d'être lâché. Et je ne pense pas que je le serai cette semaine, parce que ça prend quand même du temps. Là, en plus, c'est des conditions juste idéales pour débuter. On est entre amis, on fait un stage en accéléré, donc on vole beaucoup tous les jours. Donc on emmagasine plein à la fois d'informations et de sensations. Mon premier baptême, j'étais juste trop heureux et dans la découverte. Et il fallait déjà être en train d'apprendre des automatismes et voilà, faire les deux ensemble, c'est pas facile. Mais bon, l'idée, c'est d'après, quand on a un peu les automatismes, de pouvoir passer au plaisir. Et c'est pas impossible qu'à l'issue, on transforme avec... Il y en a déjà qui parlent d'acheter une machine en commun, tout ça. On verra, mais la route est longue encore pour finir le brevet. Mais c'est pas impossible qu'on se retrouve un jour avec une petite machine. Ah, mon vol avec Laurent, ça s'est passé déjà. C'est quand même une sacrée coïncidence parce qu'on est là en stage et je vois arriver, toi et Laurent, donc dans votre avion. Et donc je lui dis, ah, mais je vous connais, c'est drôle. Et puis donc la découverte du multi-ex, alors j'étais content d'avoir fait un petit peu de pendulaire avant parce que c'est vrai qu'il y a quand même des sensations, ça bouge et on pourrait avoir un peu de mal de l'air. Parce que finalement c'est moins turbulent en l'air, c'est plus stable. Mais quand même il y a des jets, il y a des sensations d'ascension et de décélération qui sont quand même assez fortes. Mais bon. Alors, cadeau. Alors, ça s'est bien passé? Elle a bien piloté ou pas? Elle a très bien piloté. Les tours de piste sont quasiment rectangulaires. Je dis quasiment. Hein. Non, c'est génial et c'est un grand honneur pour moi de voler avec Laura. Dont je suis les vidéos sur YouTube et que je découvre. Et puis, c'était mon baptême de triple axe.
peux y aller là. C'est le sommet en fait. Voilà, ah bah... hop, de retour sur le plateau. Alors, ah voilà. Il y avait longtemps. Alors mais là, on s'était ça fait dit plaisir, on va faire une émission sans qu'il y ait de problème. Et ben, ah, non, mais pas du tout. Ça, c'est du vrai Easy to Fly TV. Ça, on l'a, enfin, mais regardez, là, on est chez fait nuit. C'était trop bizarre. On voit rien. Je vois rien du tout. Absolument plus rien sur le plateau, c'est la nuit noire. Donc évidemment, je me trompe de bouton. Voilà, donc c'est normal. Hey. Donc en tout cas, c'était le sujet sur le stage qui a été fait pour une petite équipe de pilotes qui est venue se former au pendulaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes tous les... On vous encourage à vous réunir entre copains, etc. Et si vous voulez vous organiser un petit stage de pendulaire avec quelques copains, et ben, contactez Samir parce que c'est la meilleure manière d'apprendre à voler en le faisant entre copains, en stage intensif. Peut-être pas forcément être breveté, mais en tout cas... Avoir les bases et puis le faire avec la bonne humeur qu'on connaît, voilà. Est-ce que tu es fier un peu? Qu'est-ce que tu peux dire de tes élèves de cette semaine, Samir? Ah bah, je suis très fier parce que on a volé, ils ont tous fait 3-4 vols par jour. Waouh. C'est intense là, vraiment, quand ils disent intensif. Nous, on a fait pas mal aussi du coup. Mais c'était super parce que de toute façon, cette formule là, c'est génial parce qu'il y a vraiment une dynamique qui se met en place, une entraide entre... J'ai l'impression que ton micro ne marche pas très bien. Vas-y, parle. Oui, Samir. Bah, Samir, il parle, hein, il parle déjà. Alors attends, si je rapproche le mien, est-ce que ça marche mieux? Vas-y. 1, 2. Tu m'entends? Ah ouais. Tu peux éteindre et rallumer ton micro. Alors, on va l'éteindre et le rallumer des fois. Vous voyez bien qu'on a encore des problèmes. Voilà, ça y est, ça commence. On est en train de dire c'est bon, on a fait 40 minutes. En attendant, on va faire un petit jeu. Ah bah oui, tiens, ah bah on a oui, deux minutes, on va reparler du stage, mais avant on va faire gagner un jeu. Alors on a toutes les semaines. On va gagner un jeu. Toutes les semaines on fait un jeu. Et cette fois on va faire gagner une bagnole. On s'était ouais dit, allez hop, oui, ouais, habituellement on fait gagner une sorte. Donc c'est voilà, c'est la voiture qu'on peut faire gagner. Bagnole, hein. C'est une Mazda, c'est ça. Pierre-Louis, c'est une Mazda, ouais, ta voiture 2002. Combien de kilomètres? J'aime bien ces sprints, c'est bon. C'était une blague. On voulait chambrer un peu Pierre-Louis. On voulait faire croire qu'on allait faire gagner sa voiture, mais pas du tout. Il l'a très très gentiment prêté c'est à Jean-Sébastien Bellora. Notre voiture, nous, c'est très gentiment prêté. Sa voiture pour la pauvrie, moi, ça jours va pas. Donc, on voulait lui faire un petit clin d'œil, et c'était pour le remercier. Et non, il n'y a pas de jeu ce soir, et il n'y aura surtout pas sa voiture. Nous sait-on jamais que Olivier Equet gagne. Voilà. On pourrait faire regagner les t-shirts d'Olivier Equet, c'est ce qui se passe. Donc voilà. Sinon, on peut revenir un peu parler du stage. Qu'est-ce qu'on peut en dire? La caméra plan large commence à fatiguer. Il y a une autre activité sur le terrain que j'ai pu constater là, de la bande de potes, c'est qu'il y a aussi du volleyball qui se fait là-bas, là j'ai vu. Alors est-ce qu'il y a besoin de formation pour faire du volleyball? Ils font du volleyball, ils font des pilates, ils font voilà plein de choses, on a remarqué. C'est ça, ils dessinent des dinosaures cas, aussi sur le sol avec de la craie, enfin bon, des en choses cas, normales une, dans l'aéronautique. Il y a une, plutôt une bonne ambiance et c'est ça l'ULM, c'est principalement être entre copains, savoir s'amuser, savoir voler, savoir être concentré, savoir être rigoureux, puis aussi des fois savoir se détendre. Je pense qu'ils ont bien dû dormir la nuit en volant 3-4 vols par jour. Je pense qu'ils ont bien dormi. D'autant plus qu'on a eu quand même une semaine assez agitée au niveau météo. Là, donc, Ah bah voilà, ils ont été formés dans des conditions, dans des conditions musclées. Voilà. Et bah très bien. Voilà. On va parler d'un dernier sujet. Oula, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce attention de bien respecter les périodes de décompression avec 4 à 5 vols par jour. Humour de plongeur. Ouais, non, mais c'est vrai que moi je me souviens quand j'ai commencé ma formation pendulaire, moi je volais, à l'époque nous on volait 35 minutes. Je volais 35 minutes, j'étais épuisé et tout, je rentrais chez moi, je dormais. C'est super intensif, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources. Alors là on s'est permis ce rythme parce que c'est aussi des gens qui volent déjà pour la plupart. Ah oui. Il n'y a que Pierre-Louis qui lui. Oui, on a bien vu quand on les a vus, on voit que c'est des sportifs de haut niveau, on voit qu'ils ont une condition physique très particulière, on voit que c'est pas le commun des mortels. Voilà. Bon, et puis maintenant, on va parler d'un dernier petit truc qui est assez spécifique à toi, Samir. Ce vol avec les rubans que tu fais tous les ans, notamment au festival des Ingles. Oh, ça arrive au festival. Après, je l'ai fait sur quelques meetings tous les ans. Enfin, pas forcément tous les ans d'ailleurs, c'est un peu irrégulier, mais c'est une démo. Alors, c'est pas moi qui suis l'initiateur de ça, hein. J'ai un peu repris. C'était Patrice Barcouda pour les anciens qui ont connu un peu les débuts de l'ULM qui avait lancé ça. Et donc, il m'avait appris à le faire et puis je trouve ça génial. Donc, ça m'amuse beaucoup de le faire et puis ça plaît énormément. Donc, je le fais à la Coupe Icard, sur certains meetings comme Rouen. Tu vas à la Coupe Icard? Tu vas le faire à la Coupe Icard? Ouais. Ah, d'accord. Enfin, pas tous les ans, pas cette année. On devait le faire cette année, mais malheureusement… Je crois qu'il y aura, je suis pas sûr qu'il y ait une Coupe Icard cette année. Ouais. Ça va être très restreint, il n'y aura pas de démo. D'accord. Donc, voilà. Mais, donc, ouais, c'est un ruban qui fait 500 mètres de long.
Ce qu'il faut savoir, c'est que 500 mètres de long sur un ruban, qui fait quelle taille? Il fait 80 cm de large à peu près. 80 cm de large. Fait... Donc sur 500 mètres, ça fait combien de surface à tirer? Ça fait 400 mètres carrés. Quoi. 400 mètres carrés de ruban à tirer. Wow. Donc il faut une bonne machine, il faut que ça pousse bien. Il faut un peu de la puissance. Et puis voilà, alors on a essayé avec différentes ailes. Et puis voilà, on a trouvé à peu près la combinaison qui allait bien. Le Néo va très bien pour ça. Voilà, après ça demande un petit apprentissage et puis surtout de bien préparer son vol et de pas trop improviser, parce que c'est toujours pareil quand on fait des démonstrations, il faut résister à la tentation de l'improvisation. Tu veux dire que tu t'es jamais dit tiens je vais faire un nœud et tout puis je me retrouve coincé au milieu? Voilà, il faut faire attention quand même. Ça peut être dangereux quand même, il faut faire attention. Ça peut être dangereux. Ok, c'est pas à la portée de n'importe qui. Je sais. Oh. En tout cas, il faut de l'expérience et y aller graduellement. Et ça, c'est un truc qu'on considère qu'il faut avoir une DNC de tirage de banderole? Oui, ou c'est un bien truc sûr. Complètement. Ouais, d'accord. Il faut une DNC, il faut un map. Enfin, voilà. Il faut déposer un manuel d'activité particulière. Ouais. D'accord, très bien. Okay. C'est de l'activité particulière. On a une petite question de Chicane. Chicane, au niveau budget, formation, heure de vol, etc., le pendulaire est-il moins cher qu'un 3 axes ou pas? Alors ça, c'est toujours... on va dire que... Dans une même structure, oui, puisque en principe, la formation est un peu plus courte. Mais ça, c'est des généralités. Après, il y a toujours des cas particuliers. Donc, mais en principe, les heures de vol sont un petit peu moins chères, mais il y a multi-axe et multi-axe, et puis il y a pendulaire et pendulaire. C'est sûr que si on fait des formations sur un Tanargue, ça peut revenir aussi cher que sur un vieux Skyranger qui a 20 ans. Enfin, voilà. Donc ça, c'est à voir un peu au cas par cas. Mais il est possible en tout cas de voler et d'avoir un brevet qui ne revient pas très cher en pendulaire. D'accord. Si la personne a une progression, on va dire, normale, la formation peut être un peu plus courte et les heures de vol coûtent un petit peu moins cher. Alors, grande question de Laurent Rapiteau. Tu peux la remettre, Jean-Seb? Qui range le ruban après que Samir il ait fait ses doigts brillants? Voilà. Donc effectivement... J'aime bien comment... Là aussi, on peut faire une réflexion sur l'orthographe. Qui range le ruban après les oivreries de Samir? Ben, Laurent Rapiteau, d'ailleurs. Voilà, d'accord. Ça... Donc Laurent, t'es bien. Voilà, on t'appellera pour que tu viennes ranger le ruban. Bon, on est en train de finir l'émission dans le noir. De toute façon, c'est la nuit noire. Oh là là, regardez. On nous voit même plus. Bon, on va finir. Est-ce qu'on finit en montrant ces images de ruban un peu comme finale, Jean-Seb? Ouais, je crois que c'est bien, ouais. Allez, c'est pas... Oh, dis donc, c'est assez joli quand même, hein. On remercie tous nos téléspectateurs et le public. Le public en nombre chinoise. On va se dépêcher parce qu'il y a une machine à ranger avant qu'il fasse des applaudissements parce que j'ai le micro. Donc Voilà, et puis on va finir en beauté sur ces images assez poétiques. Laura. Et on remercie Samir et toute son équipe. Bah, merci à vous. On t'a pas tellement entendu. Mais parce que j'ai rien à dire, Christophe, il trouve les bonnes questions et les bonnes réponses. Mais toi, normalement, t'as toujours eu un gros mot, un truc. Ah non, on va se calmer. Il est quelle heure là? Attendez, il est 22h. Tata Laura est fatiguée. Allez, calme, relax avec le soleil qui se couche. En tout cas, merci beaucoup à toute l'équipe de l'aérodrome de Pizay. On vous invite à venir vous poser ici et à découvrir un petit peu l'activité sur cet aérodrome. Samir, on le présente plus parce que c'est une des références du milieu. Et si vous avez envie de vous mettre au pendulaire, aux trois axes, à l'autogire, n'hésitez pas à contacter l'aérodrome de Pizay et venir faire une petite formation éclair. Et puis, au plaisir de. On était contents que tu nous accueilles et au plaisir de se revoir. C'était un vrai plaisir de vous recevoir, en tout cas. Et le plaisir est partagé. Allez, on regarde les images des rubans. Et on vous dit à la semaine prochaine. Salut Laura.